Alors, est-ce que tu peux nous présenter la société et son activité? Alors, BG est une société que j'ai créée il y a à peu près 27 ans, qui est partie en fait de l'idée de mon père, Serge Bichon, qui consistait à mettre au point une ligature, en fait un accessoire pour jouer du saxophone en optimisant le son procuré par le musicien quand il jouait. Donc, on a commencé par un produit et on a développé la gamme sur un échantillon de produits au niveau mondial, en ayant la gamme la plus large possible d'accessoires, hormis l'instrument. Un petit mot qui a toute sa valeur, c'est fidélité depuis longue date. En fait, j'ai connu BG quand j'étais encore en Italie. C'était une marque généralissime qui faisait des produits de très haute qualité. Et quand je suis arrivé en France, j'étais vraiment ravi d'être l'élève du père de Franck qui était un peu à la source de cette marque-là. Alors pour faire simple, déjà on a à peu près 4 gammes de produits. Une partie acoustique, ouais, qui comprend toute la partie pour jouer du saxophone et clarinette, donc c'est-à-dire des becs, des ligatures, des protège-becs, des accessoires, etc. Une partie pour entretenir l'instrument, donc c'est les écouvillons, ouais, et les sèches-tampons. Une partie qui est diverse et accessoires, en fait, qui comprend tout ce qui va permettre de poser un instrument sur un stand, etc. Ouais. C'est les 3 gammes principales. Et également cordon, bien sûr, dont le harnais, qui permet de tenir l'instrument. Donc ça, c'est la gamme. Là aussi, il y a eu une exigence, parce qu'on peut se dire, bah, tiens, un produit de plus pour entretenir, nettoyer, etc. Le leitmotiv BG, c'est quand les détails font la différence. Ça résume la vision BG, la philosophie BG. Et aussi, également au niveau interne, ne jamais vendre un produit qu'on ne voudrait pas acheter nous-mêmes. Ça, c'est très important. Chaque employé a le pouvoir de dire, non, on ne livre pas, j'ai un doute, on met de côté. Même quand je suis étranger, parce que je passe 4 mois à l'étranger, c'est important de garder cette philosophie-là. Les produits sont conçus pour durer. Vendre du pas cher, c'est pas français. On sait pas faire. Donc on fait un produit de qualité qui dure. Si on est reconnu entreprise du patrimoine vivant actuellement, comme le sont des sociétés comme Hermès, Vuitton, etc., c'est aussi à cause de de savoir-faire et cette exigence. La microfibre, par exemple, est un produit que nous avons choisi parmi 6 différents types de microfibres. C'est comme les cotons, il y a différentes variétés qui existent. De qualité, donc. Absolument. Ouais. Il faut que ça soit absorbant, que ça ne raye pas l'instrument. Il faut que ça soit un produit qui vieillisse bien, qu'on puisse laver et relaver. Et mon souci, c'est de dire dans 5 ans, dans 10 ans, on peut se resservir des produits BG. Le seul reproche que l'on me fait dans le monde, je vends dans 80 pays, c'est les produits BG durent trop longtemps. C'est un choix. Le confort. Notre leitmotiv, c'est quand les détails font la différence, à chaque fois apporter un plus et innover. Ça, c'est très important, innover.
c'est la gamme. Oui. Comment cette gamme est conçue? Très simplement, d'abord observer ce qui se fait sur le marché, comprendre l'attente des gens, étudier ensuite avec les réparateurs pour voir quels sont les défauts de ces produits, en dehors de ceux que je perçois personnellement et que mon équipe perçoit. Toujours être à l'écoute avec les musiciens quand on met au point des prototypes. Ne jamais dire non à une demande unique et puis faire des tests aller-retour. Voilà. Ça, c'est l'aspect conception. On exporte 85% de l'activité dans 80 pays. Je passe 4 mois par an à faire des salons à l'étranger pour vendre des produits fabriqués dans la zone de Chaponneau et j'apprends tous les jours mon métier. Pour dire qu'on est vraiment sur le très haut de gamme et qu'on ne veut pas baisser la qualité. La qualité, c'est ce qui fait que 25 ans ou 30 ans après, on est encore là. Si on fait réputation, c'est parce qu'on a vraiment un produit qui est fait pour durer.